quelqu'un à la radio. Yo, hop, 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 salut à tous. Donc, bienvenue sur live. On va voir, normalement, ça devrait moins bugger, j'espère. Bon, je sais pas. Le PC, il est en PLS, il arrive plus à suivre le truc, quoi. Putain, ça me casse les couilles, hein. Ouais, c'est les coups, comment tu vas? Ah ouais, ma pété David, pour l'instant un petit peu énervé là. Ah. Ouais, un petit peu énervé, attends, faut que je fasse des trucs. Tu vois quelque chose là ou pas? Ouais, les bateaux là. Ouais, regarde là. C'est le nouveau folie de Monsieur Francky, regarde. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, tu m'entends? Ouais. Bon, ça va les petits gars. Oh, c'est les fous. T'es là, Francky? T'as vu mon petit bolide? Ça, le frangin. Ah oh, ouais, ça va. Francky? Alors, on a perdu. T'as vu une nouveau look, hein? Ouais, bon la nouvelle coupe, bizarre un peu quand même. Hein. du coup, il a eu un mal de crâne, Francky ou quoi? Ouais, tu le vois pas son bateau, oh. Ah, voilà. Si, si, je le vois, ouais. De quoi tu vois pas son bateau? Non, parce qu'il te cherchait en fait. Ah ouais, bah non, bah j'étais assis sur le. C'est le bateau. Voilà le nouveau craquage de Francky. Ah bah félicitations Francky, hein, ça va? Ouais, faites l'acquisition de bateaux de luxe, quoi. Que pour vous en plus, hein, j'ai fait ça. Alors, attendez, parce que... Il y en a qui craquent sur des bateaux, il y en a deux qui craquent sur des voitures, quoi. Oh, et hein. J'arrive. Bah, le bateau, c'est que pour se promener tout le monde ensemble. Ah oui. Même pas si on peut tous embarquer dedans. Bonne question. Mais je pense que 2 c'est sûr. Ouais, si je pense 3, si je pense 5, c'est sûr, je pense. Et encore, hein, la galère, il faut le chercher, je vous le dis. Ah ouais, ouais, on n'a pas tout de suite trouvé quand il a fait. Comme l'avis, il y a le chauffeur, côté passager. Ouais, peut-être 3 sur la banquette arrière. Ouais, quoi d'aller faire une petite balade, un petit pique-nique quelque part, quoi. Par contre, vous avez vu, il y a des nouveaux, il y a des radars en ville maintenant. Ah, c'est ce que m'expliquait Jérôme. C'est de la merde maintenant. Ouais, c'est 80, ça fait déjà 6 tickets que je chope depuis que je me suis réveillé ce matin. On peut plus rouler très vite. Bon, tant mieux. Ouais, j'ai même invité Gigi aussi à nous rejoindre, ça voulait faire un truc, mais le problème c'est qu'il mouille, mais tout à l'heure il faisait soleil, il faisait sa pof et que ça m'a donné le goût d'acheter un bateau et tout, mais là il pleut, quoi. Yo, ça va Gigi? Ouais, Louchka, je suis désolé aussi. Je t'entends pas parler, hein. Oh ouais, c'est normal, j'étais pas en train de parler. Ah, okay, bon, ouais, bah ouais, j'écoutais tranquillement. Ça va ou quoi? Ouais, les radars, ça fait chier, quoi. Là, on va devoir respecter les limitations de vitesse. Ah ouais, ça c'est bon là maintenant, mais en fait maintenant c'est mes nerfs qui sont qu'il faut qu'ils se détendent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah regarde ce que je t'ai acheté, Kirikou. Il est à toi. Ah putain, mais ça coûte Francky quand même. Attends, pour te dire, il a même acheté la remorque et le camion avec, hein. Je viens juste d'acheter ça, j'ai même pas les clés encore, j'ai acheté le trailer aussi et le bateau. Ah bah dis donc.
Ah bah et bah. Je me suis réveillé au parking central, tu sais. Et je vois Franck qui arrivait. Mais là, j'étais besoin tout de suite. Ah bah ouais, bah ouais. C'est Francky, hein, c'est jamais ce que nous prépare le petit Francky, hein, franchement. Moi, Par contre, une boîte à surprise. Hein. Par contre, je vous préviens, en ville, il y a des lits d'hôpital qui traînent. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Il a chopé un lit d'hôpital en plein milieu de la route. Ouais, tu m'étonnes. Ah bah, super. Je crois que j'ai vendu la... J'ai dû vendre ma petite voiture, certainement. Ouais, tu me dis c'est gênant, hein, parce que ouais, je prends pas mal de place sur ton terrain. Quoi. Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est en fait, je regardais mon compte en banque et comme il a augmenté, je pense que j'ai vendu la voiture au truc d'occasion. Bah, on peut faire attention si vous voulez. En fait, je sais pas si vous le savez, mais vous voyez où le magasin de pêche, là. Ouais, vous ouais. Vous savez qu'il y a des détecteurs de radar, etc. Ouais, je. Tout dans la ville, il y en a même sur l'autoroute. Je sais, je vais aller en acheter un d'ailleurs. Je sais que ça coûte 10 500. Rien que ça. Ouais, bah c'est pas grave, je vais aller en acheter un, go en acheter un moi. De quoi? En fait, tu as des détecteurs de radar qui sont dans les magasins de pêche là. Ah ouais. Bah, je vais aller acheter. Ah ouais, c'est clair. Et de toute façon, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, je vais tout me rembourser ça ce soir. Bon bah du coup, je vais plus pouvoir rouler à 160 dans la ville quoi. Non. Faut et moi donc à 80. Et moi donc. Max. Bon, d'un côté, ça arrange Jérôme, parce que vu qu'il dépassait jamais la limitation de vitesse. Ouais, bah ouais. Ah, moi, j'en connais un, il va être déçu aussi, hein, le petit Lay, il va être déçu lui, hein. Ah, putain. Moi, ça me dégoûte. Bah, venez, on trouve les radars et on les dégomme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah. Tu t'es quoi en France, toi? Bah, attends. Moi, je veux rouler vite. Le gilet jaune. Ouais, voilà, ouais. Les gilets jaunes, on dégomme tous les radars et puis voilà. Bon, si je vais aller en acheter un direct. Ah ouais, bah ouais. Bon, ça va, je vois que le petit Diego il a travaillé un petit peu aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais, bah là, je vais envoyer un message, mais je pense pas que je sois encore en ville. Bon bah allez go acheter un détecteur de radar de merde. J'ai pas visité ta maison à fond, tu l'as jamais vu. Oh. Bah... Quoi? Ma maison? Non, la maison à Kirikou, tu l'as pas vu? Si, j'ai déjà visité la plupart de toutes les maisons de Dale. Oh mais putain, c'est un peu dégueulasse dedans quand même. Hein. Il y a des travaux à faire. Hein. La seule maison que j'avais pas vue encore, c'était celle de Gigi et je l'ai vue. Ah ouais. C'est qui pendant du. C'est une maison qu'elle a Gigi ou un château? Bah, une maison quoi. Ouais. Celle vers son nicheur là-bas, non? Ouais. Donc, comment ça va le bébé? Non, je ne sais plus, c'est où. Je suis sûr qu'elle en a plusieurs des maisons, t'inquiète. La connaissant, elle est riche, donc elle en a plusieurs à mon avis. Oh bah ouais. Oh putain, je te jure. Bon, on fait quoi alors? Vous allez passer au concessionnaire, voir au concessionnaire de place s'il y a des trucs intéressants aujourd'hui ou pas. Ok, on va faire ça, on va aller un petit peu. Bon, faut faire attention parce que Franquet avec son truc pour faire des manœuvres, ça va être difficile. Hein. Tu m'étonnes. Bon, du coup, si vous voulez pas faire de bateau, moi je vais aller ranger tout ça quoi. Bon, on peut faire du bateau après si tu veux. Ouais, à ce moment-là, on peut toujours aller faire du bateau après. Hein. Le problème c'est que c'est un peu galère de tout ressortir, fait que c'est soit que je range ou soit que je le garde de côté quelque part parking central et c'est bon quoi. Voilà faire le bateau les gars. Ouais allez. Allez go, Franquet il propose d'acheter un beau bateau pour qu'on puisse se balader. Donc à ce moment-là ce qu'on va faire c'est on va faire du. On va regarder au concessionnaire d'occasion là pour David. On va aller acheter des anti-radars là, et puis après on va aller, faire un tour en bateau. Pour récupérer l'argent. si vous voulez, c'est on vous prend dans nos voitures et ça vous évite de sortir des vôtres quoi.
Ah mais moi je vais rouler dans ma belle voiture. Hein. Et de toute façon moi je roule pas plus vite que 120 quoi avec ça. De toute façon moi je suis venu avec Francky donc. Ouais bah tout ça. Bon bah go le concert au cas et puis moi je vous retrouve là-bas, je vais aller acheter l'anti-radar. Ok, Gigi. Un manoir, ouais, t'as raison, j'ai acheté un manoir, ouais, Gigi, je suis sûr. J'ai acheté un manoir caché. Ouais, cassez-vous que je sorte ma voiture là. En fait, faut tant que mes yeux ils seraient habitués à l'écran 15 pouces. C'est difficile quand tu passes du 26 pouces. En plus, l'écran de mon PC il est super super sombre. Boum 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 boum. Bah, en fait, mon PC n'arrive plus à le gérer. Dès que je le mets en principal, t'as vu ce que ça a donné, il rame. Je sais pas pourquoi. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent, et puis maintenant j'ai des problèmes. Ah, on peut pas l'acheter. Ah si. Allez, hop. Voilà, bim. Qu'est-ce qui fait Kirikou? Donc du coup, ça pique les yeux un petit peu parce que la luminosité n'est pas du tout la même. Là en fait, sur mon écran sur le 26 pouces, il fait clair et là il fait tout noir. Hein. C'est une horreur. Bon, comment ça marche ce détecteur de radar là? Alors. Je sais pas du tout comment ça fonctionne cette merde. C'est prêt à la concession, les 125 000. Mais à ce que j'ai vu, sur l'application de la ville, c'est faux plus comme. Ouais, il va falloir que j'aille bosser alors. Quoi, tu le veux ou pas? Non, je vais voir si je vais faire quelques runs et plus tard, on verra. Oh, c'est bon, t'inquiète, tu m'as déjà. Ah, mais je peux te l'avancer, tu me rembourses plus tard si tu veux. Oh non, c'est bon, t'inquiète, je verrai s'il est toujours là, tant mieux, s'il est pas là, bah tant pis. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse, mais moi j'attends de conduire d'abord. Laquelle je... Non, mais attends, bah vite. Oui, je suis déjà prêt à te dire. Attends, attends, je règle un truc dans ma tête. Ah, ok, pas de soucis. Je vois si je peux pas changer la luminosité de l'écran là, parce que ça me saoule. C'est assez trop sombre. C'est trop sombre. Hop là. Ah ouais, celle-là, c'est celle qu'on a vue hier.
plus le prix ça va, je trouve pas j'ai pas mis un prix de malade. Bah, je peux pas, j'y arrive pas. Franchement c'est dégueulasse, je vois rien du tout quoi. Ah c'est ça. Bon, c'est pourri, je vois rien du tout. Vraiment que le temps que mes yeux ils... Ah c'est bon, t'inquiète. Attends Jérôme, attends, je vais les retirer, je vais avancer les secours à Jérôme. Ok. Mais tiens, tu veux aussi que je t'avance l'argent? Non, t'inquiète, je te remercie. C'est gentil, mais t'inquiète. Je reviens. Ah, tu disais que t'avais vendu une voiture. Ouais, ma voiture, elle a été vendue, là. C'était quel genre de voiture? Parce que j'en ai acheté une hier. Ça, non, c'est pas celle-là. C'est une Mustang un peu comme 60 secondes chrono. Ouais, bah c'est moi qui l'ai acheté aussi. Ah, c'est toi qui l'as acheté. T'as acheté deux voitures, alors? Ouais, j'ai acheté celle que tu vois là, que je suis venu avec, et j'ai acheté la tienne. Ok. Ah, ça va, Jérôme? Très bien, et toi, Kérico? Ah bah écoute, grâce à Michel qui a acheté ma voiture, je suis à 1 130 000 sur mon compte. Ah, tu vois, t'avais raison, ah, Jérôme, hier. Tu pensais que c'était la voiture au frangin, bah c'était vraiment la sienne. Bah, tu peux y aller, les full custom, il manque juste les... Il n'y a pas les suspensions, c'est tout. Ouais, j'ai vu ça, je l'ai conduit hier. Oh la vache, j'ai eu du mal avec la vitesse. Bon, j'ai acheté le détecteur de radar, mais je sais pas comment ça fonctionne. Hein. Moi aussi, je sais pas. Du coup, la prochaine, ça va être celle-là. On verra bien, hein, si il bip. Il faut peut-être juste l'avoir sur soi, quoi. Exactement. Ouais, fucké. C'est dommage pour la pluie, quoi. Ouais, bah ouais. Moi, bah, j'ai acheté un petit détecteur de radar, je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, j'ai acheté. Ouais, ça, on a acheté ça où? Au magasin de pêche, là, un peu plus loin, là-bas. Ça a 2 500 $. Hein. Ouais, je demandais à quelqu'un qui fabrique le nord de ses radars, tout simplement. Ouais, bah ouais. Ouais, ça sera peut-être un peu mieux avec la lumière au moins dans la tronche, quoi. Ouais, après, faut voir si... Ouais, ça fait vraiment l'Ukraine, celle-là. Regardez, ils sont en train de faire leur petit shopping, tranquille, là. T'as assez pour le sortir, ou pas, Jérôme? Bah ouais, du coup, ça m'a pris de mon compte bancaire. Ah, dis donc, on aurait dit une anguille électrique, le petit David. Attendez, je reviens. Ça va, David? Ouais, ça va.
Ok. J'ai mis le voltage un peu trop fort. Là. Ouais, bah ouais. Y'a d'enfants, il va pas avoir le voltage. Bah, bah non, t'es bourré, David. Ouais, j'étais bourré là. Ah ouais. D'ailleurs, il va falloir que je m'en achète un petit taser, moi. J'ai perdu de bien, moi. Donc, Salut tout le monde. Partout où il rentre en fait là? Tu sais que j'ai foutu mon téléphone moi, putain. Alors là c'est une bonne question. Ah du coup je sais pas si vous êtes au courant là, hier soir il y a eu le feu au tabac. Ah bon de nouveau? Ouais bah ouais, on était avec Jérôme devant le tabac et dans ce coup il y a eu le feu. Après on a dégagé les voitures et on a vu un mec courir vers les dunes de sable torse nu cagoulé. Ok, on va voir ça, je vais essayer de régler ça. Paramètres. Oh là là, vous venez de dessus hein, quand tu le vois. Ah, ils sont mes paramètres Nvidia, ils sont là. Dans notre configuration et Nvidia. Tu peux le tirer dessus. Bah ouais, 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 c'est vrai, faut que je vous fournisse tous en silencieux là, comme ça vous êtes tranquille après quoi. Bah c'est combien le silencieux Frankie? Pour Kirikou c'est 15 000 et pour vous c'est 20 000. Bah, tu... bah si tu veux, je vais retirer, tu fais comme ça après. Ouais, fait que ça fait 20, 40, 50, okay, 60. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Merci, Louchkaï. 75 000. Bah, si tu veux, on passe à la banque et je te donne ça, y'a pas de soucis. Bah, de moi, 75 000, je te donne 4 silencieux. Ouais, bah, attends, bah, tu sais quoi, attends, bouge pas, je vais aller les retirer, j'arrive alors. Ça marche? Ouais. On va mettre ça. Alors, appliquer, on va voir si ça change quelque chose. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un peu mieux, merci. Merci Louchkaï. Ah voilà, moi j'étais parti nettoyer un peu mes lunettes parce que je voyais rien. Merci, merci. Mon idée c'est de fuir d'ici. De fuir d'ici? Ouais. T'as dit c'est quoi mon idée? J'ai dit c'est de ah, fuir oui, d'ici. Ouais, t'es là-bas. Oui. C'est quoi ton assurance? D'ailleurs, je vais aller chercher de l'argent pour en lâcher un. C'est le 104. Ouais, moi pas. Tu m'emmènes ou pas? Ouais, vas-y, monte. J'avoue, pourquoi ils s'embêtent à courir au lieu d'une voiture? Tirer 12 000, voilà. Ah, mais comme ça, on va te rembourser, David. C'est qui a payé?
C'est bon. Là, Giro, je t'ai remboursé. C'est quoi ton petit numéro, Giro? 114, ton revenu. La chance, c'est 114. Je dis, on devrait en profiter vu qu'il n'y a pas la pluie, c'est juste le bon moment de voilà. Partir avant que la pluie revienne. Tout à fait, ouais. Ah, tu veux juste déposer mon argent là? Ouais, moi je vais aller en ville au parking central, je vous attends tous là-bas. Ok, okay, ça marche. Ok, pas de soucis. Bon, bah attends, je vais être conquis du coup. Bon bah tu fais quoi? T'attends Jérôme toi? Ouais, je vais l'attendre. Ok, bon bah vas-y, j'y vais alors. Boum, 5 000 dollars dans la gueule d'amende.
Psychomen 34, salut. Salut, salut, Psychomen. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Ah, ça va, hein. Bon, petit amende de 5000 dollars, ça fait plaisir, hein. Tu fais choper à 191 km/h. C'est cool. Il est où le parking central déjà? Il est là-bas. Bon, par contre, désolé, je sais pas si tu parles français. Ça commande. Bon, t'as vu Louchka, j'ai pris 5000 dollars d'amende. Putain de radar de merde là. Je vais tenter quelque chose, c'est pas dit, mais bon. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, quoi. Détecteur de radar. Comment ça fonctionne, ça? Fonctionne peut-être comme l'autre, quoi. J'ai mangé 5000. Bon, je m'en vais maintenant, je reviens, vous surveillez mon véhicule, Ouais, j'ai pas vas-y. les clés encore. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai chopé 5000 dollars d'amende. Ah bon? Ouais. 5000? 5000, ouais, je me suis fait choper à 191 km/h au lieu de 80. Oh putain. En fait, je pensais que la route là, où quand on passe sur le pont là, Papa. c'était limité à 120 et en fait non, c'est 80. Eh bien, on va juste dans le véhicule de Francky, je vais pas plus faire son truc là, son maillot de bain. Donc voilà, 5000 dollars d'amende, j'ai payé. Ouais, c'est bon, on est dedans, Francky. 5000 dollars, putain. Je suis Par contre, désolé, pas de carburant. Psychomène. Je parle que français par 5000 contre, dollars mais quand même. bienvenue à toi en tout cas. T'as encore un truc qui va nous pomper l'argent, quoi, t'as encore.
Bah, en fait, moi je pensais, tu vois la route là, quand vous m'avez, quand je vous ai doublé là. Ouais. Et bah, en fait, je pensais que c'était 120, tu vois, je me. Et peu de temps après, j'ai pris un flash et c'était marqué à la place de 80. Ouais, non, c'était 120, non? Bah ouais, mais bon. C'est bizarre cette histoire quand même, quoi. Le détecteur de radar, il n'a pas fonctionné, hein. Est-ce qu'il faut l'installer sur ta voiture ou l'utiliser? Ça, je sais pas encore, tu vois. Ah bah c'est bon, il Je est là. sais pas, faut voir. Bon, bah, Francky, ça y est, j'ai pris 5 000 $ d'amende. Ah. Ouais, quand je vous ai doublé, peu de temps après, il y avait un radar et je me suis fait choper à 191 km/h au lieu de 80, quoi. Oh là là. Ça va, moi je me suis pris une amende à 0 $. J'étais Bah, si vous à. voulez, je vous attends ici pour vous mettre une petite une plage là, J'étais comme à ça peut être bien quoi. 191, je me suis fait Moi choper j'ai au lieu de trouvé un petit 80. t-shirt là avec tout ça là, Adidas. J'ai vu personne encore avec ça. Tiens, regarde, normalement j'ai J'ai fait le plein. un petit t-shirt unique quoi. Ok, bon bah go acheter des fringues pour la plage alors. Attends, je vais avec toi alors, Ouais, Kérifou. vas-y. Ça marche à tout ski. Pas trouvé de Kirikou, hein, parce que là. Ouais, bah ouais. Il faudrait que je la mette comme ça, la mienne aussi, là. Ok. T'as vu le mec aussi, t'as aussi vu le Au mec milieu de assis? la route, là? Putain, je te jure. Ça va me gonfler ça par contre les radars. Qu'est-ce que c'est chiant? Ah bah on verra ce que tu prends comme amende à 330. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça va me gonfler ces histoires d'habits, je te le dis moi. J'en peux plus.
ça m'énerve, j'arrive pas à voir correctement. Bienvenue au club, hein. C'est ce putain de t-shirt noir, là. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de monde autour de moi, en fait. C'est chiant les freins. Je m'achète des bras. Ils vendent pas de chapeau là-dedans. Ah bah c'est là. Oh, ça va foquer. Oh là là, ouais, j'aime bien. Moi j'ai fait en bleu parce que le t-shirt il était bleu. Ouais, bah ouais. Bah toi aussi t'as mis les petites claquettes et tout. Ah bah ouais. Yo Gigi, re Gigi. Ouais, faut s'acheter des bras. Je sais pas où est-ce qu'on va aller. On y va pour une baignade ou on y va pour discuter ou des trucs du genre.
Bon, on peut faire les deux, hein. Bon bah on va retourner aux chutes, mais je sais pas si ça va passer avec ce bateau. Ouais, ça. On va tester. Ça risque d'être difficile. Bah après, faut pas prendre la chute, quoi. on n'aurait pas le choix si on veut descendre. Ouais, bah après tu pourras plus le remonter. Ah si, on peut faire le tour de toute l'île jusqu'à l'autre côté et arriver et monter juste 2-3 petites chutes et c'est bon, quoi. Ah bah voilà. Ouais, on peut faire ça. Ça nous fera une belle balade en bateau. Ou je vais passer par le chemin qu'on passe par toujours, ça sera plus agréable. Ouais, bah ouais. Bon, je sens que l'État il va se faire beaucoup d'argent avec les radars là. Ouais, non, pas avec moi. Ouais, bah ouais. Faites ça vite fait ce matin parce que j'étais pressé, mais sinon, à part quand il y a des délits de fuite ou des trucs du genre, on va aller, quoi. Ouais, bah ouais. Et en même temps, bah tant mieux, quoi, les gens vont arrêter de rouler comme des ouf. Ouais, c'est clair, parce que moi, bon, il y en a, ils roulent vite, mais ils font pas attention, quoi. Tu vois, c'est quand t'arrives au croisement, tu ralentis. Oui. Oula. Oui, à quoi tu vas pas. Ton lac passe. Mais hausse, c'est ce que je pensais aussi, quoi. Ouais, bah, c'est la plage classe, quoi, c'est... F. Oh, et son t-shirt Lacoste, faut qu'il l'enlève quand il va aller se bailler, quoi. Ouais, ça fait pas trop baignade, quoi. Ah, t'as pas de tatou, toi, Kiriko? Non, je suis pas encore passé. Ah ouais... Tu les vois, les miens, ou pas? Non. Attends, je regarde. Non. C'est pour ça, en fait, que j'en fais pas, parce que je sais que des fois, ça se voit pas, quoi. Putain, c'est merde. J'en ai sur les bras, j'en ai un dans le cou et tout ça, quoi. Ouais, bah celui dans le cou, je l'ai déjà vu, ouais. Mais les autres, non, je vois pas. Bon, bah dis donc, elles en mettent du temps, les filles. Ah, c'est pour demain ou c'est quand qu'il va repleuvoir, faut que repartir hein. Bon ben viens Kiriko, hein, on va y aller nous. Ouais mais faut que j'attende David parce que David il doit monter avec moi. Ah putain Francky, t'es pas prêt pour ce qui arrive, attention les yeux, attention. Ah ouais, lui c'est carotté de ouf hein. Ah, le mec, on va pouvoir, si on s'ennuie un petit peu à la baignade, on pourra jouer au jeu de dame sur son t-shirt. Ah, un petit jeu d'échecs. Ah putain. Bon, ils font quoi les nénettes dedans là? Ah putain, ça m'a choqué. En plus, il a mis le petit chapeau gris assorti, quoi. Ah ouais, en tout cas, il est assorti, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, ouais, bah ça peut. En vrai, il peut laisser comme ça, quoi, ça fait un style. Ouais, bah ouais, t'as même. Ah, j'avais pas vu, il y a même les claquettes, elles sont de la même couleur. Ah ouais, non, mais non, mais. C'est de la bulle. Ouais, ils ont fini les filles là. Bah alors, t'en es où là? Ouais, attends, il cherche le t-shirt, attends. Moi, bon, j'étais pas prêt hein, pour Michel. Hein. Ah bon? Voilà. Par contre, fais gaffe avec tes bras, je roule. il est beau, frangin. Bah, la frangine, elle a pas de bras, donc c'est chiant, quoi. Ah, mais la tenue à Michel, j'étais pas prêt, hein. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'as l'air d'être.
Tu es comme ça tranquille? Ah ouais ouais, bah c'est une grosse déco là. Ah ouais, c'est ça David. Allez, tu t'as... Tu regardes sur ton petit GPS en bas à gauche là. C'est bon, t'as trouvé? Là, tu regardes à gauche de la map là, il y a une espèce d'encre marine et sur la route tu vas voir il y a un magasin de masques. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est bon. Allez, je fais des choses bizarres. Bah, il y a déjà Michel comme chose bizarre avec sa tenue là. Connard, dégage. Bon, je vais te dire que les feux. Ils vont aller sur... Non, on va pas router. Déjà, je me traîne à 80 km/h. Ça me saoule. Salut, Jamie. Ouais, limitateur de vitesse, ouais. Bah après, c'est juste ton compte en banque qui va prendre... Qui va prendre une claque, hein, Louchkaï. Hein. Là, je dois dire que je l'ai mauvaise là. Là, je l'ai mauvaise. Ah bon, après, c'est le jeu, mais bon. Ah, moi, laissez-nous l'autoroute tranquille, quoi. Le métro, Pierrico. Bah j'attends Michel là. Déjà, on va voir pour voir si c'est pas perdu. Ça va, Michel, tu t'en sors quoi? Je pars juste ma caisse, moi. Ah purée, ouais, Lucette en PLS. Il fait quoi le Michel? Il s'en sort ou quoi? Qui ça? Bah Michel. Je sais pas, il a des problèmes de GPS. Bah, je vais envoyer un message avec les coordonnées quoi. Ah, t'as vu? Ah là, ils vont pas bosser aujourd'hui, ils vont faire une balade en bateau. Je crois pas, je pense pas qu'il je pense pas qu'ils te le retirent avec le radar automatique, ça m'étonnerait. Parce que moi, sinon, je l'aurais retiré 191 au lieu de comment dire
De 80. Bon, Michel, il s'est perdu ou quoi? Je pense bien. Ouais, bah ouais. Tu t'es perdu, Michel, ou comment ça se passe? Oh ouais, Michel, il sait que j'ai perdu là. Ouais, c'est pour ça que j'ai envoyé un GPS, tu sais. Attends, si vous avez où vous voulez qu'on vienne, quoi. Il revient, Franck, il arrive, il a un problème avec le bateau, il revient. Ok, ok. Il pouvait pas le débarquer, il pouvait pas le débarquer ici. Ah d'accord, vas-y, viens, on va autour de feu de camp là. Ah vas-y, vas-y. Bah putain, Michel, on le voit de loin. Hein. Eh, c'est le but, hein. Et moi avec mes chaussures, tu vois, on voit aussi, on voit aussi de loin. Quand je reviens vite fait, je vais faire un truc dans la tête. On dirait Damien, ton frère. t'as emmené les petits chevaux et tout ça, tu fais quoi? Oh ouais, t'inquiète, j'ai prévu les pions pour jouer sur le t-shirt à Michel. Ah ouais? Sur quoi? Sur le live ou... Alors moi je dis... Ouais, bah... vous enflammez les gars. J'ai un petit peu chaud là. Bon, moi ce que je propose c'est que Michel il s'allonge par terre et puis on joue sur ce t-shirt quoi. C'est un bus frère, n'empêche pas. Ah, le seul qui passe dans le feu, c'est Jérôme. Hein. Ouais. En fait, le seul qui n'a pas de bonnet, c'est moi, en fait. Hein. Ouais, c'est pas un bonnet, c'est un bob. Ouais, bonnet, bob, casquette. Moi, j'ai un big bob sur la tête. Big bob. Voilà, ça y est, Jérôme, il a des envies, ça y est.
On va avoir une journée où je vais pas travailler, quoi. Ouais, bah ouais. J'ai même pas le temps de me réveiller tout à l'heure et ma cache embarquée pour le pied, en fait. Ils s'enflamment les deux. Moi, par contre, désolé que les couilles. Ils voulaient venir chez toi pour te chercher, donc. Je lui ai dit où tu habitais, quoi. C'est quoi ça? J'espère que c'est pas grave. Allez, jouez aux dames. Ouais, non. En fait, le problème, c'est que. C'est que t'inquiète, je reste dans la maison maintenant pour tu sais, pour bien réveiller mes yeux. Ah, je crois qu'il y a Franck. Ouais, normalement, c'est lui, normalement. On va passe pas dans le feu, hein. Les derniers arrivés, ça va plus long. Non, on sait que c'est Kirikou qui fait ça. Il y a aussi le frangin, en fait. Là, c'était moi. Ouais, t'as vu, il n'arrive pas à monter. Je crois pas qu'il y a que deux places là-dedans, quoi. Vous arrivez pas à vous asseoir? Non. Attends, parce que moi je suis bloqué, je peux plus rien faire. Ah ouais, j'ai acheté un bateau que deux places, quoi. Et tu l'as payé comment, sans indiscrétion? Moi je peux plus faire, je peux plus ranger mon téléphone. David, reviens. Ouais, je vais y aller doucement. Si je vais doucement, ça va aller. Ouais, moi en fait, à part marcher, je peux plus sauter, je peux plus ranger le téléphone, quoi. On va essayer de trouver des jet skis pour voilà. Que vous essayez de vous suivre au moins. Ok. Voilà. T'as vu, Gigi travaille bien tes employés. Ça va, ça a l'air de tenir. Hein. Ouais, ça a l'air. On peut pas rester seul, faut pas rester mobile à mon avis, tu sais. Ok, je vais le mettre à fond, voir ce que ça donne. Oula, ouais. Ça va, ça tient. En fait, ouais. Faut qu'on avance, tu sais, faut qu'on avance. Oula, il y en a un qui m'a poussé là, je suis sur le bord. Hein. Ouais, c'est des vagues qui trahissent, quoi. Moi j'ai atterri sur le conducteur. On va y arriver. Ouais, tiens, je vais te faire un petit câlin, mon petit Jérôme, tiens, je te gratte l'oreille. C'est dommage parce que c'est un bateau qui est comme genre, on dirait qu'il y a plein de place et il y a rien, quoi. C'est ça, c'est pourquoi ils mettent des banquettes à l'arrière, quoi. Oh, parle pas de malheur, Louchkaï, pas de requin. C'est Jérôme qui prend toutes les places, en fait. Putain, merde. Je crois qu'on a perdu David. Ah, merde. Affirmatif. David, t'es où? Recule une fois, si tu le vois.
Il est vers la plage. Et là où il met un coup de bateau, bim. Ouais, monte, il y a un requin, monte, monte. C'est juste derrière, hein. Ouais, c'est lui, il faudrait qu'il s'assoie et l'autre se lève, quoi, parce que c'est lui qui a des problèmes de... Bah, on a les mêmes problèmes, Jérôme et moi, en fait, c'est ça le problème. Ah, ok, ouais, bah vas-y, c'est... Jérôme, reste assis, c'est bon, t'inquiète. Essaye de t'accroupir, David. Même en même accomplissant, c'est pas possible. Ok, ok. Bon, de toute façon, on arrive bientôt, là, on est rendu au truc de pêche. Après on traverse le truc de pêche et après bah c'est tranquille. Sinon je loue un truc au bateau. Sinon je loue un bateau ou de pêche hein. Tiens mon doigt, tiens ma main David. Qu'est-ce que vous en pensez sinon je loue un bateau là-bas hein. Bon bah y'a des jet skis sur le bord de la plage, faut regarder aussi. Car à dépenser de l'argent absolument pour rien. Ah c'est j'ai de l'argent donc j'en fais le bon fou tu vois. David avec ses sièges éjectables. Sinon, David, assieds-toi sur les genoux à Jérôme. Ah non, ça va, je vais juste me bloquer, je crois. Bah, si t'as des menottes et des clés, tu le prends, tu me notes et tu le tiens, quoi. Ah, c'est bon, là pour l'instant, je bouge plus, apparemment. Ouais, les deux te bloquent. Oh, oula. Oh, il aurait pas dû dire ça. Ah, bah, elle est là. Bah, c'est bon, on arrive bientôt au pont, là. C'est là-bas, oh, c'est merci, Nicolas. Bienvenue sur la chaîne Nicolas. Il va pousser en fait. Bienvenue sur la chaîne. Ouais. Pouh, il va être éjecté. Ah, il était violent celui-là. Oh là, il y a son voilà. Palo lui. Ouais, on a reperdu. C'est bon, il nage bien. Attention, il y a un requin. Il y en a, hein. Ouais, bah ouais. Bon, c'est... Bon, sinon, on boira une petite bière à sa santé s'il se fait manger. Ça veut manger des bières? Ah ouais, ok. On veut boire des bières, ok. Bon, en tout cas, on a fait un beau vol plané, hein. J'en ai fait deux. Encore la merde. Ouais, je crois qu'il est encore à l'eau lui. Chercher une tache blanche. Oh David, t'es où, ma David? Ok, c'est bon, je vois, il est derrière. Oh, c'est pas des chaussures lumineuses qu'il aurait dû mettre, c'est un bonnet lumineux. Ouais, ou des palmes. Il est encore tombé. On arrive dans les trucs tranquilles, juste devant, quoi. Bah, la prochaine fois, David, on te paye un petit bonnet avec une lumière. Hein. On fera ça. Bah ouais, t'as vu comment ils travaillent bien, Gigi, tes employés. Voilà, dernière vague. Non, c'est ce qu'on fait. Je m'attache une bouée derrière le bateau et c'est bon. Et on met une corde et ça fait l'affaire.
Bah, casque et pilote bien, Francky, là. C'était la dernière vague. Là, ouais. C'est bon, il n'y a plus de vague ici. Bonne journée, Gigi. Là, je suis à fond. Là. Ah merde, on en a perdu un encore. Ah. Course sur la plage, recule, on va aller plus vite. Recule, je l'ai vu. Et hop, un petit footing. J'ai l'impression que ça m'arrive qu'à moi en fait, ces genres de trucs en fait. Hein. Voilà, j'ai pris des photos. T'inquiète. Ouais, c'est. Attends, j'essaie de. Allez. Ouais. C'est parti. Et allez, c'est parti, il est encore tombé. Non, il y a trop, là on est bientôt. De toute façon, en bateau on est bientôt arrivé quoi. La torture elle est bientôt finie. Ah merde. En fait, c'est Kiriko qui me pousse depuis tout à l'heure en fait. Ah bah j'ai rien fait, regarde, je bouge pas. Ou c'est Michel avec son gros cul là. Oh, attention à ce que tu dis. C'est peut-être avec les P, tu vois, les. Comment on appelle ça, les. Quand je pète en fait, c'est le nitro qui sort derrière. Ah, t'as cru que c'était de la nitroglycérine ou quoi? Oh, merci Nicolas, en tout cas, bienvenue sur la chaîne. On a atteint les 100 follow, les gars. Merci Nicolas. Et le centième, on atteint les 100 follow. GG. Ça fait trop plaisir. Reste tranquille David, sinon toi tu vas te taper un rocher. J'ai mal aux yeux, faut que je me fasse une journée de repos. Moi. Donc le prochain truc que je vais acheter, c'est aussi un bateau. Là, quand on fait des sorties comme ça, on en a encore deux, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah rien. Ça c'est sûr. Que deux places, quoi. Bon allez, vas-y Michel, n'hésite pas, je sais que t'as envie d'aller sur les genoux de Jérôme.
Je confirme, c'est Michel qui me pousse depuis tout à l'heure. Mais non, c'est toi qui as trop de pousser, putain. Vous êtes toujours dans le bateau? Ouais, bien. Ouais, ouais, toujours. Enfin, je crois que le bateau, lui, il est plus là. Je passe quoi, là? Je sais pas. Je sais pas. Vous avez des convulsions, les gars. Ouais. Moi, je vois que ton bateau, il est cassé. Ouais, aussi. Il est mort, ouais. Ouais. Merde. Ok, bah, descendez tous de bateau, mettez tout à l'eau, là, je vais les réparer. Ah ouais, je commence à avoir peur là, ça a baissé ma vie. C'est dangereux les excursions quand même. Ah, ok, déjà. La nage avec le téléphone, quoi. On va préparer vous tous pour le saut ultime. Et ma poche d'aide n'a pas d'appart. Et c'est parti! Allez, go, go, go! Ah, bon, ouais. Je crois que ça fume encore. Ah, lui, faut qu'il descende, il va mourir. Ah, ouais, voilà. Ah, ouais, putain, c'est bizarre que ça fait ça. Ouais. De toute façon, vous êtes sur les deux bagnoles. Toi aussi, Michel, tu fais de la nage avec ton téléphone. C'est la nouvelle nage, en fait. C'est la nouvelle façon de nager, en fait. Ah ouais, vu que Michel il a les mêmes muscles que moi. Je sens qu'il y en a un qui va finir dans le coma là-haut. Ouais, c'est... Ouais. Comme ça, il bougera pas, quoi. Tu sais, tu dis à Francky, ça risque qu'il y en a un de nous qui va tomber comment. Ouais, c'est sûr, tic-tac là, regarde-tu. Ah ouais, faut pas que tu sautes sur le côté de la chute, faut que tu sautes vraiment un peu plus loin que la chute, quoi, sinon c'est mort. on va rigoler, je crois. Attends, je vais te montrer où, je vais te dire où. Francky, c'est normal que t'as un genre de rendre trace. Tu vois aussi Franck avec ouais, parce qu'en fait ça lui a fait ça l'a blessé le bateau là. Ah donc je suis pas fou, je suis pas le seul à le voir comme ça quoi. Hop.
Ouais, n'empêche, un tour de bateau. Bah, la prochaine fois, quoi. Faudra qu'on en prenne un, toi, un deuxième. Ouais, bah ouais. Bah, attends, je vais dans ma tête vite fait. Allez, hop. Donc, monsieur Nicolas, bienvenue en tout cas. Alors, hop. Je crois qu'il en manque un, je crois, là. Hop, voilà. Je crois qu'il en manque. Ah non, c'est bon. Ah, plus le dernier. Je me suis un peu foiré sur mon saut quand même. Ouais, c'est pour ça que t'allais le finir comment en fait. Ah, t'as capté, il était pas le seul. Là, c'était une prise de catch plutôt. Mais on a cassé les dos là. Hop, je vais faire ça. Voilà. C'était pas le plus. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, mais bon. Couper. Kirikou, je sais pas, il fait des. Ça va, Kirikou? Ouais, je fais un truc dans ma tête vite fait. C'est sympa ce coin. Le point qu'il nous a montré. On va faire ça. C'est son petit coin tranquille, quoi. Donc, on va dire celle-là. Et. Pas celle-là. Pas pour toi, mais il va finir comme à mon avis. Hein. Voilà, on va coller là. Hop. Et on va aller sur le Discord. Voilà, ah, boum boum, hop. Alors, il est où Instagram? C'est pas ici que t'avais emmené le petit Diego la dernière fois qu'il a marché? Ouais. Ah, c'est que dommage pour la pluie, quoi, c'est fait chier. Hein. Il fait soleil et tout, mais il pleut. Ah, c'est quoi la faute à Jérôme ça encore? En fait tu me dis encore une fois c'est ma faute. Ça va mal à l'écran de lui. Ça y est, ça commence les deux francs. Évite parce que sinon je vais finir à l'hôpital. Ah. Bon bah voilà, vous regarderez sur Instagram. Hein. Pas mal le petit parapluie. Bah ouais. Ok, bisous Bouchkaï. Elle est où ma danse? Attends, je l'ai fait si tu veux. Oh, pour le soleil. Ah ouais, t'es la pluie, pour le soleil, ah ouais, t'es la pluie.
Ah, c'est la classe là. Hein. Il manque juste la petite musique. Ah, regarde la souplesse du corps. Ah ouais. Ah ouais, Michel, carrément sur le cheval, tout ça, tout ça. Hein. Et il faut. Oh, ça fait du bien de nager un petit peu. Bon ben voilà, petite journée détente, tranquille. On est là. RAS, tout va bien. Ah, c'est dommage qu'il y ait la flotte.
Voilà, attention, elle va nous faire son plongeon. Et attention, première, en avant-première, messieurs et madame, un hippopotame va sauter de la falaise. Par contre, faut faire attention, il va sauter avec son grec à la main. Allez, vas-y, va refaire un plongeon, je vais te prendre en photo. Bon, ben voilà, c'est cool, petite détente. Alors, faut pas rater la photo, faut que le photographe il soit bien. Attention. Allez, vas-y, saute là. Bon, qu'est-ce qu'il attend là? Pas mal, pas mal. Ah ouais, celle-là. Attends, je vais aller voir dans ma tête vite fait comment elle est. Bah, j'arrive dans ma tête, je vais développer les photos là dans le buisson là. Ok. Sympa, hein? Ça change un petit peu. Alors ça, je peux faire ça maintenant. Voilà. Alors je vais faire ça. Il faut que je prenne la photo. Hop là. Hop, copier. Hop, image. Album Dreamland. Hop. Coller. Chut. Voilà. Alors voyons si elle est réussie d'abord. Ça au petit pote. Po 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 po. Alors, on va envoyer ça au gars. Hop, voilà. Album Dreamland. Tac. Hop, 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 hop. Hop. Hop, 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 hop. On va envoyer une à Francky. On va envoyer aussi à Francky. Francky, Francky. Donc on va lui envoyer ça. Ça. Et celle-là. Voilà. Hop.
Voilà. Hop, on y retourne. Bon, c'est moi, j'ai appelé mon assistante, là, elle a envoyé les photos et tout. Je lui ai envoyé par mail et les amis, vous les envoyez par mail. Oui, David. Ah ouais, c'est sympa, hein. Bon, j'avoue que c'est un peu chiant avec le... Pas de l'eau, David. Je suis bien là, Christophe. Avec du paysage, parfois, Jérôme. Non, comme ça. Voilà. Ah bon bah c'est cool hein. Merci Franck hein, cette petite balade là. Ah c'est clair, c'est sympa. Yo, tu fais quoi là? Un peu de tenue, c'est ton frère quand même Jérôme, c'est pas vrai ça. Tu me disais quoi Kirikou là, merci pour cette petite balade. Ouais bah ouais. Attends. Ah c'est clair, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils savent pas, c'est que c'est juste toi et moi qui va repartir après et les autres vont venir là. Ah, du coup, maintenant on le sait. Au moins, ça évite aux deux chinois de farmer, au moins. Hein. En vrai, si tu remontes par là et que tu montes comme ça et tu continues sur la route, t'es proche du tabac. Bon, bah on peut essayer de repartir hein, ou un truc du genre, je sais pas.
si vous voulez aller bosser ou rester, peut-être aller vous baigner. Là, il n'y a plus de pluie, hein, c'est le moment. Hop là, Mister Baignade. Chérico, t'as entendu ce que t'as dit ou pas? Non, de quoi? Quand tu es avec lui là-bas. Ah, ok. Il t'a demandé si tu pouvais venir à Strapitude là-bas. Ce qui va être le plus cool, c'est de remonter ça, quoi. Ça va être l'idéal. Ouais. Ah, c'est vrai. Et là, ça sera à son tour à lui de souffrir, là. Ouais, voilà, un petit peu, ouais. Ah, oh, moi, ça me dérange pas, donc après. Ah, ouais, bah là, tu tombes, je te laisse. Ah, oh, y'a pas de soucis. C'est quoi, Jérôme? Il est en train de penser à sa Ferrari. Voilà. Ah bah c'est lui qui a craqué, hein, après. J'en perds mes mots. On fait quoi du coup? Parce que c'est vrai qu'avec Kirikou, c'est compliqué avec la musique et tout ça, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance. C'est ça. À moins que Kirikou coupe le son du jeu et on peut mettre la musique. Ouais, mais ça va vite être compliqué ce côté-là, qu'on peut dire. On attache Kirikou, on le ramène en plein milieu là-bas, on le laisse là et nous on fait le party. Qui ah, c'est personne ne vote pour? Ah ouais, deux votes. Et le troisième vote, il manque juste un vote et c'est bon. Hein, je crois que ça va mal finir pour Jérôme. Allez, viens voir Jérôme. Oh bah, rip. Ah bah tant pis, oh, rip. Très vite d'avoir t'es pas, t'es pas gentil, hein, franchement. Mais c'était pour donner. Aïe. Oh, ma casquette. Oh. Oula. Y a pas de... Aïe. Ah, voilà. Aïe. Tiens. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais un peu de ça. C'est bon, Kirikou, on s'en est occupé. Ouais. Désolé, désolé, David, t'as perdu un frère. Oh bah comme ça, le chemin sera moins compliqué.
comme ça toi tu pourras t'asseoir et les deux autres vu qu'ils sont corrects ben pourra aller à fond. Bah tiens, je crois qu'à mon avis il a mal pris, hein. Je sais pas pourquoi. De bon. Désolé, tu es. Désolé, t'as perdu un employé, Gigi. Ça va, il a que 15 minutes à attendre ici et il va respawn ici. Quand tu respawn à l'hôpital, c'est quand t'es dans l'eau ou des trucs du genre. Il n'y a pas massage cardiaque, réanimation, vite. Je crois qu'il fait un massage à l'eau. Allez, réveille-toi. Oula, c'est ouais. À la Kirikou, hein. Alors. Allez, réveille-toi. Bon bah il va pas se réveiller. Oh. Bon alors ça fait quoi d'avoir perdu un frère David? Ouais, c'est une sacrée dodo. Ouais, il était fatigué. Bon bah ça va, le temps qu'on rentre et tout ça, on va pouvoir aller chercher à l'hôpital. Regarde Gigi, regarde, ton employé, il est pas bien. Ah Kirikou. Ouais. On a entendu le coup de cette pianie. Hein? On sait qu'il y a Gigi. Ah merde. Non, putain. Ah ouais, attends, je vais remettre... Ah bah, Gigi viendrait la secourir, hein, le secourir. On sait que maintenant, il y a Gigi sur l'application. Ouais, Gigi, on a besoin de ton aide, là. Il y a quelqu'un qui est... Désolé, Gigi, je t'ai grillé. Ah, putain. Bon, Michel, tu veux rejoindre Jawam? Non, c'est bon, merci. Elle a quasiment perdu la moitié d'un employé, donc elle peut perdre la moitié d'un autre, non? Bah si vous voulez, je vous bute deux, c'est je vous fais ça gratuit. T'inquiète pas, Jérôme, il y a les agents X, ils vont s'occuper de toi. Non mais Gigi sait où ce qu'on est, de toute manière. Déjà venu ici. Ah les gars, moi je vous propose, alignez-vous avec moi et Francky, on va lui faire un coucou à GG. Ouais, coucou Gigi, ouais, Gigi, ouais. Ouais, Gigi, ouais. Ouais, Gigi. Voilà, on a fait le petit coucou. Ah, il fait un gros dodo, dis donc. Au revoir, mon petit Jérôme. Gigi s'en vient, quoi. Ah, je crois pas que Gigi, elle va venir. Hein. Ah, dommage. Ça va, Jérôme, tu fais un gros dodo. Bon, bah, il fera un beau dodo pendant... Désolé.
Ah putain, ça finit toujours mal à chaque fois, de toute façon. En plus, demain, je reprends mes cours, quoi. Oh, putain. C'est chiant. Et Francky t'a brûlé en plus. Ouais, je suis instruit. J'ai instruit, ouais. Désolé, mon petit Jérôme. Comment mieux assassiner les gens, les découper, et me débarrasser du corps. Les classiques, ça marche très bien quand tu débarrasses du corps. Ouais, mais c'est trop lent. Ah, GG, travail. Au moins, t'auras plus de chair, plus d'os, tout ça. Hein. T'inquiète. Hein. Non, tu le découpes en morceaux et tu le donnes à bouffer au cochon. Hein. Ça marche très bien aussi. Hein. Aussi. Non, tu le jettes à la mer, au lieu de la mer. Et les requins vont s'en occuper, hein, t'inquiète. Hein. Ah bon. Bah moi je propose en retournant l'arrière et puis parce que ça sent un petit peu le cadavre ici là. Il pue un petit peu Jérôme quand même. Hein. Bon, ah. C'est quoi alors, on s'en va quoi alors, je vais à l'hôpital. Ouais bah ouais on va faire ça. Ah bah voilà, il est là. Ça va, elle était bonne ta pièce, Jérôme? Allô, Jérôme? Attends, je crois qu'il est parti dans sa tête. Okay. Faut le temps qu'il s'en remette. Faut le temps qu'il se remette de ses émotions. Ça va? T'as bien fait dodo? Quoi? Ah, t'as fait une là sieste là, tranquille? Je sais pas, d'avoir compris, t'étais au travail par terre, t'as fait dodo. Ah, je sais pas. Bah, si, nous, t'as vu, t'étais au travail par terre, t'as fait dodo. Ah, ah ouais. Et en plus, franchement, tu t'es un petit peu enflammé quand même. Hein. Ah ouais, t'as fait la tête et puis ça fait. Ça a pris feu, quoi. Ah, bah. Ouais, bah ouais. Ça pue le cochon gris quand même. Donc la prochaine fois, évite de péter, hein, ça sera mieux. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire du coup alors? On peut retourner en ville, sortir ouais. Des crosses et aller se prendre un cross ou en mode. Ouais, y'a. Faire charge pas quoi. Ou tout ouais. Ça avec des balles de sport, on va se prendre des amendes quoi, sur le brut et c'est bon quoi. C'est bon, c'est déjà fait. Pareil. Kérikou s'est mangé 5 000 $ tout à l'heure. Ou on peut sortir le gros 4x4, monter de mon chigal aussi. Ouais, après moi j'ai entendu dire que Gigi elle était en train de travailler. Hein. Ah ouais. Ouais, mais je pense faire de même. Un petit peu. Ouais, la même, ouais. Parce que ah, là, regarde. Je l'ai invité et elle a dit ouais, je vais chercher un café, ouais. Ah ouais. Ah bah le retour des Chinois du coup hein. Ah le retour des super Chinois quoi. Oh, sinon elle serait avec nous hein, ça serait venu. Bah ouais mais GG elle a vu les deux travailler pas, elle est partie travailler. Hein. Oh là là. Ah là là GG hein, c'est pas vrai. Hein. Elle veut devenir riche c'est pour ça. Ouais bah ouais. Bon, sinon on peut faire une petite balade à moto cross. Hein. Ouais, mais apparemment les deux ils veulent travailler donc. Ah ouais. Ah bah sinon ils vont travailler s'ils ah, veulent après, travailler. Après vous pouvez faire des balades à moto cross. Hein. Ou sinon Francky peut nous emmener faire un tour de 4x4 dans le Mont Chiliad. Là. Voilà, pour Kirikou et toi David. Ah bah ouais, parce que là moi faut que je fasse un.
Bon, moi je dis, Francky, si ça te dit, les deux vont travailler, on va faire un tour de 4x4, tu vas nous emmener faire un tour de 4x4 en montagne. Bon, il y en a un qui va s'asseoir là pour pas être éjecté. On a perdu Michel. Le fou. Mec, quand tu seras rendu à bord, monte la chute jusqu'à l'autre côté, parce que... Je crois qu'il y a tout ici, moi. Ah ouais? T'as D'après pas tu envoyé brouilles d'invitation? l'épave, quoi. Oh là 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 là. Bon, pour une fois, c'est pas toi qu'on a perdu, David, hein. Ouais. Attends, c'est pas fini encore. Attends, on n'est pas vraiment arrivé. Je pense qu'il faut monter. Ah ouais, il t'a pas vraiment invité. Ah, il est pas cool. Eh, t'inquiète. Ils vont aller bosser, tes employés, t'inquiète. T'as même pas invité Francky. Ah ouais, pas mal, tu lances bien, David. Ah ouais, bah c'est pas gentil, Francky, dis donc là, Francky. T'inquiète, on te ramène tes employés, Gigi, tu vas pouvoir les faire bosser. Tu vas te venger. Bon, bah, les deux personnes qui veulent aller travailler, votre chemin se termine ici. Vous pouvez aller au tabac qui est juste à côté. Quoi. Ok. Ah non, le véhicule, bah, en route à Dieu. Hein. Là va, il y a le garage pas loin. Il y a le garage pas loin. Il reste à toi pas loin. Tu vas sur la map, ils sont pas loin. Ouais, mais en fait, ils sont pas rangés dans les garages, leurs véhicules. Bah, ils prennent un autre au pire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Allez, hop là, à bientôt! Allez, salut les gars. Ouais, c'est bon, toi tu peux t'asseoir maintenant et Kirikou, attache-toi bien. Allez, c'est parti. Ah bah là, j'arrive même pas à m'asseoir. Ah ouais, bah lève-toi. Saute à l'eau, rembarque dans le bateau, je sais pas. Ah voilà, comme ça, il y aura peut-être moins de risques. Voyez, tes employés arrivent à pied. Tu vas avoir deux mecs habillés bizarrement à arriver. Wow!
Kirikou, allô. Bon, vous avez vu un petit peu la petite roulade et tout. Ah, c'était beau quand même. Tout était prévu. Voilà, la petite roulade a été sympathique. Bon, t'es prête à recevoir tes employés en tenue de plage. Ah, purée. Tout va bien derrière, Kirikou? Impeccable. Ça va aller, c'est tranquille ici. Bon allez, oups. Bon, je pense une petite balade en 4x4. Voilà, c'est parti. Temps. Toujours derrière Kirikou? Ouais, toujours là, ouais. Moi je le vois qui sort du bateau et qui revient en fait. Ouais, moi aussi, mais si lui tout va bien de son côté, c'est que tout va bien. Qu'est-ce qu'on est beau dans ce bateau? On est bien là, hein, tranquille. Hein. Ça va, Kirikou? Ouais, ça va, tranquille, je voulais goûter si elle était bonne. Ça, je me le ferai pas voler. Attends, je vais mettre l'ancre pour pas qu'il bouge. Ouais, quand même, ouais.
Ouais, au quartier de la il a barré tout ce qui est tout ça. Hop, comme ça j'ai que sûr qu'il s'éloigne pas trop. Et voilà. Bon, du coup, ils sont où vos véhicules, vous? Ouais, ils sont sous l'acheté là. Ah ouais, ok, ah bah ouais. Là, voilà, embarque dans ce véhicule. Il est. Voilà. Ouais, tiens, prends le véhicule à Michel à ce moment-là. Moi, je crois, là. Asseye. Ouais, ah, ok, bon. Voilà. Bah, du coup, on fait quoi? On ramène les véhicules ou on fait quoi? Ah, ouais. Hein. Ah, de toute façon, normalement, tu peux le ranger dans le garage. Hop. Thank you.
Ouais, t'inquiète. Oh poupou, moi comment ça va les gens sur le live, tranquillement. Elles sont où les deux zigotos là? Yavam et Michel, vous êtes où là? Ouais, parce qu'on vous a ramené vos voitures hein, au tabac. Hein. Après, si ça se trouve, ça marche encore. Tu te rappelles que tu pouvais mettre les voitures dans le garage quand même, toi? Je crois pas que ça fonctionne de nouveau. Encore. Non. On vous a ramené vos voitures au tabac. Hein. Ils sont, ils sont où? Les voitures sont intactes, hein, ils fument pas du tout. Apparemment, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'elles sont parties foutre là-bas? Ne la sortez pas de la fourrière, ils sont là, vous inquiétez pas. Ouais, les deux véhicules, la Ford Mustang et la voiture noire, elle est là. Alors. Mais qu'est-ce qu'elles ont été foutre à pas du tout? Bah oui, mais tu fais deux fois la voiture. Arrange-le. Et Jérôme, bah, je pense que ça fait pareil, je pense. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore ces deux-là? Bah en fait, comme on avait la voiture chez nous, en fait. Ouais. Bah ils ont quand même sorti la voiture de la fourrière. Oh purée. Parce qu'en fait, tu sais, quand elle est dehors. Ouais. Elle est à la fourrière. Mais tu la sors pas en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc ils ont réussi à sortir leur voiture, quoi. Apparemment, juste Michel. Ok. Ouais, oh, c'est n'importe quoi. Donc, il la laisse dehors, et puis celle-là, on la casse quelque part. Voilà. Bah, à ce moment-là, moi, ce que je propose, c'est si vous pouvez prendre la voiture. Vous pouvez prendre sa voiture, et puis. Vous allez au garage récupérer vos véhicules. Par contre, moi, j'ai des gros migraines. Tu vas avec Francky? Avec sa voiture, ok. Ok. Bah, tu peux la sortir, Jérôme, de la fourrière, ta voiture. Et elle est faire quoi, ta voiture, Corico? Ah, qu'est-ce que tu dis? Mais il est parti avec. Pourquoi elle est sortie Pourquoi il est. Je sais pas. Attends, je vais essayer la voiture à Michel. Thank you.
Hop, j'ai été caché celle-là. Ouais, mais du coup, là, du coup, en fait, il a quand même rentré de sa voiture au garage, quoi. Oh, bah, sinon, il ira la chercher, il est dans un petit avion là-bas. Bah, il y a des gros migraines, par contre. Hein. Gros, ouais. Ah, oui, c'est pas catholique. Quand j'allais me coucher, hein. Parce que là, ça me fout. Hein. J'aurais dû même pas me réveiller, en fait. Je pense que c'est Madame Gigi. Ouais, je pense, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu passeras pas par là, Kirikou. T'es trop gros. Madame Gigi, elle a fait le tour. On avait le tour exprès. Mais par contre, pourquoi j'arrive pas à remettre mon t-shirt, moi? Si, toi, t'as les habits. Bonjour, Madame Gigi. Bonjour, Madame Gigi, ça va? Oui, merci à vous. Ça va. Oui, qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui? Bah, on a ramené les deux voitures des deux loustiques, en fait, de nouveau. Ah oui? Ouais. Bah, dis-moi alors, David, comment je fais pour mettre mon t-shirt là? Parce que je vais dans les habits, dans ma garde-robe, oui, ça marche pas. C'est beaucoup de choses à regarder maintenant. Tu vois, c'est des habits, là où tu enlèves les chaussures. Ah bah voilà. Voilà, ça y est, c'est mieux, c'est plus présentable comme ça. Oui, oui, c'est plus présentable. Oui, et comment ça va? On était un peu à la plage, pour ça, comme ouais, on a fait un petit tour de bateau là, et puis on a été se baigner un petit peu. La belle vie, hein. Ça, ouais. C'est la belle vie. Vous attendez, Madame Gigi, hein? Comment? Oui. Vous attendez sur la plage là-bas pour te baigner? Non, j'aime pas beaucoup l'eau. Ah. De la rivière. Ah, c'est pas grave, il faudra aller sortir. Là. Voilà, on vous les a ramenés pour qu'ils travaillent quand même un petit peu les deux là. Hein. Ouais, c'est bien ça, parce que. Comment va venir riche les personnes s'ils ne travaillent pas? Je comprends pas. Ah bah ouais, c'est sûr, hein, ils vont pas devenir riches. Hein, bah voilà, on l'a déjà. Oui, c'est quelle heure d'arriver au travail? C'est pas ma faute, c'est la faute à eux. Okay, attention, vous n'êtes pas prête. Attention, la tenue à Michel. Bonjour, monsieur Michel. Un petit peu tard pour arriver à travailler, non, les deux? Ouais, ouais, mais c'est sérieux, c'est vraiment marqué là. Tu vois, ça va être de nouveau de faute encore qu'il y a coup. Ouais, c'est la faute à David. C'est sûr que c'est la faute à David, je suis presque sûr. Ouais, c'est parce que c'est exactement ça. Ah, c'est ça. Ouais, bah ouais. Ah ouais, d'accord. Okay, d'accord. Tu prends comme ça, Michel, d'accord, ok. Regarde le petit drapeau à Diami là. Hey, tu le mets au bord de la route, il peut faire le départ de la course. Hein. Oh là là, vous allez faire la course? Ah non, mais je parlais de la tenue à Michel. On peut le mettre comme drapeau à damier, comme ça, hop, il signale la fin de la course. Oui. Oh là là, et pas mal. T'as pas déjà perdu 5000 dollars tout à l'heure, Kirikou? Ah si, ça m'a fait plaisir de perdre 5000 dollars. Alors moi, je dis merci les radars automatiques. Hein. C'est ça pour contrôler les citoyens qui juste roulent à très haute vitesse. Bah je roulais pas beaucoup, je roulais qu'à 191 km/h à la place de 80. Combien? 191 km/h. Dans la ville? Non, sur l'autoroute en venant de Paléto. Ah voilà, ça s'en va, non? Non, apparemment il y a une portion, c'est marqué 80 parce que le radar il m'a dit 80. Ah oui, oh. Sinon je vous propose une solution. On se met en gilet jaune, on se met sur les radars et on les détruit. Vous en pensez quoi? Ok, je vais passer avec mon voiture, je vais checker ça. Ah ouais, non mais... Parce que ouais. Comme j'ai conduit très bien, jamais j'ai eu un ticket. Ah ouais, bah là, moi j'avais jamais eu de ticket encore. Hein. Et puis là, j'ai été étonné que ça soit limité à 80, quoi.
Oui, Gigi, c'est... combien 253. Pas vrai. On s'appelle pas, on s'appelle pas petit Jérôme qui roule à 80. Hein. Ouais, c'est Jérôme Bouet viré, hein. Avec voilà. Sa route à main, il disait, mais il sent de moi. Ah, puis... Oh là là. Oh, 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 oh. Allez, pas pour toi, c'était pas pour toi. Ah, c'était sûr, je le voyais venir, ça. Faites attention, Madame Gigi. David, viens avec moi, s'il te plaît. Non, je ne bouge pas. Madame Gigi, vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît. Voilà. Tiens. J'ai des trous dans ma tenue. Tiens. Ah bah, allez, bravo. Tu t'es moqué de moi tout à l'heure, hein. Tu t'es moqué de moi, hein. Hein, hein, hein. Maintenant, chien. Ça t'apprendra à taper David dans mes hauts. Sérieux, plus sérieux, qui a un kit de réanimation? Oh là là. Bravo. Vous êtes bien, monsieur? Oui, oui, je peux juste sonner. Voilà, David. Chien, chien. Voilà, bien fait pour ta gueule. Voilà. Je peux ouais, putain, t'as des sacrés trous dans ta chemise. Ouais, en fait, c'est la nuit du travail, mais parce que j'avais pas bossé en short et en tongs, quoi. Ouais, parce qu'il y a... Du coup, pour la voiture, c'est bon. La voiture, elle est cachée dans le petit avion là-bas, viens voir. Ok, parce que moi, du coup, j'ai rangé. Je l'avais caché là au cas où là. Bon par okay, contre si je l'ai rangé au garage. Ok bah vas-y prends là si tu veux tu vas devoir okay. La réparer parce que David il l'a payé de la bousille. Hein. Ouais j'ai des kits de réparation ça. Ouais vas-y sors là tranquille, je te l'avais mis là pour pas qu'on la vole. Il a sorti à Madame Gigi comme ça. Moi je m'en fous, c'est lui qui paye. Attends, c'est quoi ton numéro? J'ai ton silencieux. Oui. David, elle est belle comme ça. Hein. Ah oui, franchement. Du coup, il faut payer la facture, c'est ça? Merci. Du coup, toi, c'est quoi ton numéro? 211. Fais-moi la facture de la couleur. Francky, s'il te plaît. La prochaine fois, c'est la mort, ok? Et du coup, Guirico, c'est quoi ton numéro? 113. Bon, merci. Il en manque juste un, faut que j'aille le chercher, quoi. Mais quelqu'un qui veut me prêter sa bagnole, Guirico? Attends, prends la RS, là, la... leur tabac, là. Ok. Viens, on appelle Madame Gigi, viens, pour lui montrer la voiture. Ah ouais, bah ouais, vas-y. Ouais, tu prêtes ta bagnole, j'allais te chercher ton... Ouais, ce que ok, acheté, bah vas-y, et... là, normalement, elle est déverrouillée. Ah, ok, bah, c'est bon. Attends, vous de ramener, attends. Bon, Madame Gigi, je crois que Jérôme, il est fan de vous, hein. Il a une belle voiture, maintenant. Ah oui? Ah oui, complètement assorti à la vôtre. Allez la regarder, vous allez rigoler. Ok.
là là, c'est Rose. Ouais, c'est la nouvelle voiture à Jérôme. C'est bien ça, ça commence à sortir du closet ou quelque chose comme ça. Ah ouais, comme ça il a sorti avec, la, avec votre voiture. Il a voulu copier. Oui, oui, je regarde ça, mais plus beau les couleurs de lui que les miennes. Ah, ah, ah bah voilà. Là, là. Bon, Jérôme, c'est validé ta couleur, hein, tu dois la garder maintenant. C'est lui qui a changé, c'est un de vous Non, c'est Francky qui lui a mis cette couleur en fait. Pour lui faire une petite blague. Allez, monsieur Franck. C'est pour le fait qu'il m'a mis KO par terre. Voilà. Michel, tu veux aussi la même couleur? Non, merci, je vais pas assumer. Allez. Fais pas ton rabat-voix comme ça, là. Ah merde, j'ai prêté ma voiture à Francky, oh merde, alors t'as pas dû. Bah ouais. Ça va arriver la même couleur. Oh merde. Bon bah prépare-toi Michel à avoir une voiture rose. Hein. Oui, oui. Ah merde. Francky, t'es sur la radio là ou pas? Je reviens, voilà, continue. Est-ce que tu peux passer au Les Custom, mettre la voiture à Michel en rose s'il te plaît. Je te paierai la couleur si tu veux. Non, non, en rose, je te paierai la couleur, t'inquiète. Non, on l'écoute pas. Vous êtes moqué de moi tout à l'heure? Eh ben, vous allez payer l'addition. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié, je vais partir au tabac, mais enfin, tabac au... à la récolte. Il faut que je ferme mon véhicule. Bah, va quand il va revenir. Va récolter pour l'instant, tu as le temps, je pense, de récolter, on va faire là. Ouais, de toute façon, ouais, mais vous allez partir après. Moi j'ai des gros de mes graines donc je peux rester là. Ah, ouais, ok, Charles, merci, à ce moment-là je vais récolter vite fait. Et comment on enlève le silence du flingue? Tu sais comment on l'enlève? Non, je crois qu'il faut que tu fasses un dodo, je crois. Je vois ce que je veux dire pour le... Bon bah j'entends les sirènes, mmh. je vais peut-être le mettre dans le coffre de la voiture. Ah, c'est les pompiers qui viennent passer là. Faites gaffe à vous, il y a les pompiers ou les flics qui viennent passer. En tout cas joli qui est du coup la voiture. Oh, merci, merci. Elle est pas comme ça la mienne, non? J'ai mis le silencieux dans le coffre, mais j'ai toujours sur mon flingue, c'est fort. Hein. Ouais, il me semble que tu sais, le temps qu'il fasse un dodo, tu sais, et que tu reviennes, je pense qu'ils vont l'enlever là, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. C'est comme les lampes que tu mets sur les pistolets, tu vois ce que je veux dire? Bah vas-y, je vais faire un dodo alors, vite fait. T'as fermé la voiture, j'espère, Kirikou? Ah, je sais pas. Hop, voilà, on va avancer. Boum. Hop, on va relancer tout ça tranquillement. Bon, bah, j'espère que ça vous plaît. Hein. Petite balade en bateau, tranquille. Hop, hop, hop. Allez, connexion. On va se reconnecter parce que si on soit arrêté avec ça, ça va pas le faire.
Non, pas la musique. Hop là. Faut être actif. J'ai plus de batterie. Yo, salut tout le monde. Bon allez, on se reconnecte tranquillement. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre Dreamland comme un imbécile. Désolé les gars. J'ai oublié de cacher la map et tout. Putain. Je fais mal mon travail, moi. Ça pas vrai ça. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Voilà, non, moi... Oh putain, que ça me gave ça. C'est Kirikou. C'est Kirikou. Tu nous entends, Kirikou? Hop, voilà. Pour la mettre en rose. Il y a que moi qui vois mon t-shirt noir et bleu. Oui, oui, il y a que toi. Vois la voiture à Michel. Ah la vache, elle est belle. Hein. Bon, t'as fait tous roses, la même couleur que Gigi. Ouais, voilà, comme ça, c'est les voitures de tabac. Bravo, Francky, hein. Félicitations, t'as fait du bon travail. Hein. Ouais, pas de soucis. Pom, pom, pom. C'est bon, Michel, tu pourras fermer ta voiture après, t'inquiète. Ah ouais, j'ai ce qu'il faut, là. Je t'attends. J'ai oublié de remettre quelques trucs, ça va pas le faire. Voilà. Je crois qu'il est pas prêt psychologiquement. Voilà, voilà, ça y est, c'est fait. C'est remis en ordre, tout est en ordre. Voilà. Je pourrais m'amener au garage après. Oh hey, bah ouais. Tu veux ta voiture en rose? Non, non, j'ai des maux de tête là, c'est pour toi, mon fils. Tu voudras que je te fasse. Je te ramène au garage. Non, mais après, ça presse pas trop. Ouais. Hop, à madame Gégé qui court. Faut vraiment que je règle ces problèmes de maux de tête là, c'est cool. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et aussi, par la même occasion, des soucis de... C'est éjectable, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah ouais, je m'étonne. Je les ai tous mis en rose, Gigi, Oh là là, c'est bien ça, c'est une bonne équipe. Eh oui. Comment ça va, monsieur? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Ouais, bon, elle est où, Michel, là? À la récolte. Ah ouais, ils sont déjà partis travailler et tout? Ouais, oui. Ah ouais, ouais. Ah, t'as vu un peu ça? Elle rigole pas, madame Gégé. Hop, tous les deux au travail.
Vous avez tous au niveau de votre récolte là les deux moustiques. Des moustiques. Non mais c'est. On vous attend au pire. Hein. On vous attend au pire, mais mettez. Au pire Jérôme t'aidera quand il aura fini son camion. Tu sais que Jérôme l'a craqué deux fois hein, avec nous. Ouais, bah ouais. Ah, puis ouais. Bah moi après, je vais aller me coucher là, j'ai des petits trucs à faire. Demain vous serez là ou pas en ville quoi. Ouais, je sais pas, je te dirai ça demain parce que là en ce moment je me sens un peu fatigué là. Et t'en fous tu sais pas si tu seras là demain ou pas. De quoi? Tu seras là demain toi ou pas? Bah oui. Bah pas trop parce que j'ai mes cours. En soirée. Ouais, ça marche. Je serai là le matin, pas l'après-midi. Par contre, faudrait vraiment que je commence à travailler ici. C'est la faute à Michel, ça, qu'on travaille pas encore, là. Ah, ouais, mais... Moi, je pense que le mat, ouais, je vais travailler un petit peu, là. Faut que je chope le petit Diego, là, pour lui filer sa paye. Quoi, tu lui dois combien à Diego? Zéro. Bon après je vais voir avec lui on va établir un salaire. Après c'est beaucoup d'argent qui a été modulé. Ouais je sais mais bon le problème c'est que tu vois il est correct avec moi là-dessus tu vois. Et, ouais. La dernière fois il aurait pu garder les 30 000 et il m'a rendu 15 000 quoi. Ah mais bon c'est pas non plus douillé de dernière, je veux dire. Après moi, bon, je vois sur le compte, tu vois, qu'il a travaillé, donc qu'il a apporté de l'argent. C'est normal que je le paye un petit peu quand même, hein, en haut. Ouais, oui. Et puis après, je vais... Faut que je vois aussi comment ça marche, là, ces détecteurs de radar, là. Ouais, parce que... On a un peu... Je sais qu'il y en a un près du commissariat, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, mais après, je sais qu'il y en a un près du conseil auto, là. Et à celui sur l'autoroute là que j'ai pris tout à l'heure là. Bah après je pense que les radars ils sont pas prêts quand là il va arriver aussi. Ouais, ouais. En le connaissant à mon avis. Il va vite déchanter. Hein. Bah on le voit doucement, hein, tant pis. Ah ouais, c'est clair. Hein. Après moi tu vois moi je roule vite mais tu sais toutes les intersections et tout ça je fais toujours attention mais il y en a ils font pas attention donc c'est un peu normal hein. Oui c'est clair. Bon bah comme d'hab, hein, t'es qu'ils sont lents. Hein. Comme toujours, hein, tu sais. Hein.
C'est... Tu sais, c'est parce que des princesses, ça, faut les excuser, tu sais. Oh bah ouais. Bah après, si tu veux, je peux t'emmener au garage chercher ta voiture, parce qu'après, c'est pareil, Franck, il a pas de voiture pour retourner en ville. Bah sinon, je dors ici, au tableau, hein, sinon. Après, c'est comme tu veux, sinon après, tu peux déposer Franck en ville aussi, hein. Avec les mots de tête, à mon avis, ça va du coup pisser. Tu vas mettre plus de temps, je vais mettre plus de temps que toi, Philippe. Oh bah ouais, ouais tu m'étonnes, ouais c'est vrai. Ouais je vais me prendre la petite voiture rouge et je vais y aller hein. Ah oh, non mais... Prends la voiture marron là. Prends la voiture marron. Au pire tu sais quoi, je vais me coucher moi. Je me dis à demain si on se voit quoi. Oh, putain. Ouais bah ouais Francky, je te ramène en ville. Ouais ouais. Ok, bah vas-y, on va faire ça alors. Je vais quand même dire au revoir à Gigi. Ok, bah ouais, vas-y, je vais dire au revoir à Gigi aussi. Et je mets ce que t'as commandé dans ta bagnole. Bon, bah madame Gigi, je vous dis à bientôt. Hein. Bah voilà, faites attention à vous. Merci beaucoup aussi. Merci, à la plus tard, madame Gigi. Hein. Plus tard, bye. Ah merde, je peux pas dans la fente non plus. Bonne soirée, David. Ah bah, c'est n'importe quoi. Là, je vais me reposer et je reviens plus tard. Ah, ok. À bientôt. Ah bah, ça y est, ils arrivent. Bon bah attends Francky, tu lui as donné à Gigi ou tu vas lui donner à Michel? Ouais, j'ai donné à Gigi, ouais. J'ai donné à Gigi, hein. Ok. Ok, d'accord, pas de soucis, je t'en remercie. Là maintenant, Gigi essaie de décorrompu. Ah bah je vous dis bonne soirée les mecs alors. Ok bah vas-y. Bon bah à plus tard mon petit David. Ouais ça marche, je vais demander à Jérôme de ramener à Paris à le soir là-bas. Ok y'a pas de problème. Bon bah vas-y. Je te ramène où, à l'hôtel directement ou au parking central? Ouais parking central ouais. Ok. Je sais pas pourquoi ils utilisent la radio, ouais. Ah moi je l'ai même pas mis au jour de la radio.
Avec Erico, il est pas sur la radio. Il fait dire au revoir. Ok. Pour la millième fois. Merci. Bon, et du coup, toi, t'allais faire quoi? Ah, moi, je vais aller me coucher, moi. Ah ouais. Ouais, parce que madame, elle va rentrer à la maison. Je vais faire pareil, moi aussi. Ok. Bon, bah, merci, hein, Francky, en tout cas, pour cette petite balade. Hein. C'était cool. Fais-toi pas choper avec le silencieux, c'est pas légal. Ouais, je l'ai rangé dans mon coffre. Bon ben voilà, on va conclure cette petite journée tranquillement. Je vais quand même me mettre sur la radio. Ouais, vous êtes là, le petit? Oui, qu'on est là. Donc, je me suis mis sur la radio quand même pour vous dire au revoir, quoi. Ah, Michel, t'es là? Ouais, je t'ai dit, Manu. Ok, bon, moi je suis sur la route là, j'ai ramené Francky, puis je pars à la maison. Quoi. Ok, pas de soucis. À 120 km/h. Fais gaffe, si jamais tu passes dans un tunnel, je crois que c'est 80. Ok. Parce que je me suis fait flasher tout à l'heure et il y avait marqué 80. Ouais, par contre, ça va falloir qu'il change, hein, parce que bon, je veux bien, c'est utile, mais faire des ralentissements comme ça... Après, je me suis mangé une amende de 0$. Bon, c'est long, hein, 120. Après, je sais pas quoi en penser, mais... Après, c'est vrai que c'est pas mal, ça évite les conneries, mais bon... Ça fait chier, quoi, quand même.
J'ai l'impression que l'essence, ça part plus vite avec le régulateur. Ouais, David. Moi, je suis un peu dépité, mais là, je trouve ça bien, c'est immersif, les radars, mais je pense que ça va vite me gonfler, quoi. Tu vois, excuse-moi, mais bon, pour le jeu, là, c'est pas intéressant, quoi. Je suis là, je suis comme un con, tu fais du... voilà, quoi. Bah moi quand même un minimum parce que franchement manger des 5 000 $ ça va vite me saouler tu vois. Mais après je comprends hein, mais ouais, c'est ça me saoule quoi. Limite celui-là, Jérôme. Personnellement. Ouais, je vais me faire une nouvelle tenue. Hop là, pas pour la peine. Hop là, je vais me faire une nouvelle tenue. Armer ton camion. Ok, je le ramène. Hop. Putain, sous ma gueule, lui. Quoi, mes menus. Ah putain, c'est chiant de faire cette nuit. Pom 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 pom.
Ah, sur moi, il n'y a rien d'écrit dans le dos de ça. Alors, est-ce que ça, c'est pas mal ça. C'est chiant. Voilà, je vais me mettre comme ça, voilà, bim. Pom pom. Ouais, mais moi aussi, hein, faudra que je taffe sérieusement aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment terrible. Hein. Un gros manteau de Mac, tiens. Non, niveau vêtements, c'est pas ouf de chez ouf, quoi. Ouais, celui-là, à la rigueur, j'aime bien. Maintenant, faut trouver le t-shirt qui va avec. Voilà, un petit col roulé, tranquille, comme ça. Noir. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a des trous dans les manches. Ouais, il y a des trous dans les manches. Alors, si je rachète des bras. Pas de bras, pas de chocolat. Alors là, est-ce qu'on est bon? Ça a l'air d'être bon ça. Allez, maintenant le pantalon. Deux couleurs sur le truc quoi. Sérieux. Mettre en pyjama. Hein.
celui-là. Alors, on va mettre ça. Les chaussures maintenant. Pam, 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 pam. Ça où mes chaussures? Les chaussons. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Poum 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 poum. Tirez coup le cow-boy. Voilà, ça va très bien. Hop, voilà. Là, je suis tout beau là. Merde, j'ai pas eu le temps de mettre ma tenue, de nommer ma tenue. Bon, tout va bien, on lève les bras, ça va, tout va bien. Hop. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà, on a pas mal de voitures maintenant. Allez, attends, ça va, j'ai plus de pognon sur moi. Hop, voilà. Hop, et voilà, Kirikou rentre chez lui. Hop, voilà, voilà. Bon, tac. Bon bah voilà. Hop, c'était les aventures de Kirikou. Hop là, donc c'était une petite balade tranquille aujourd'hui. Hein.
C'est pas foulé. Donc voilà, voilà. Bon, bah en tout cas, bon bah je suis content, on a atteint les 100 follow. Donc merci à vous. Donc n'hésitez pas bah, à vous follow à la chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous sub aussi. Donc n'hésitez pas, vous avez vous pouvez vous sub gratuitement avec Amazon Prime aussi. Puis bah voilà, nous on se retrouve alors demain, je sais pas, demain peut-être sûrement un live, faut que je me repose aussi un petit peu. Et puis bah voilà, bah je vous fais des bisous à tout le monde et puis à très bientôt, ciao ciao, salut David. Allez, des bisous tout le monde, ciao.